Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur Roller Coaster Tycoon 3, épisode numéro 3. Aujourd'hui, on va donc démarrer une nouvelle partie de la carrière, donc le deuxième, si je ne me trompe pas. Et on va essayer de la finir en une heure, comme j'aimerais que ça soit. Mais si j'arrive pas, et bien écoutez, tant pis. Je vais pas non plus trop me plaindre, ce serait dommage. Allez, allons-y. Ok, aujourd'hui, on est sur donc Ruée vers l'or. Un petit parc bien sympathique. Attends, donc je vais faire pause. Voilà, très bien. Un petit parc en plein milieu du désert. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Voilà votre chance de gagner gros en transformant cette zone minière instable et abandonnée en montagne russe assez basse. Au fil du temps, vos attractions devront compenser le manque de hauteur par l'adrénaline afin d'attirer les visiteurs. Le manque de hauteur? Mais je peux le faire très haut, mes trucs si je veux. Bon, peu importe. Alors, les objectifs premiers sont d'avoir une excitation minimum de 3 et une longueur minimum de 300 mètres. Ok, bon, on va commencer déjà par regarder où est l'entrée de ce parc. Alors, l'entrée a l'air d'être ici. Ça, je peux m'étendre jusque là si je veux. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si dégueu. On a une entrée ici. On a donc une attraction ici. Très bien. On va juste tout simplement. Là, il a une bonne excitation. Par contre, je suis pas sûr que. Où sont les détails? Il n'y a pas écrit la longueur par contre. Je crois bien. Non. Non. Il n'y a pas écrit la longueur, bon, c'est pas grave. Peu importe, pour l'instant, on va juste augmenter, hein, doubler le prix. Hop, 3,30€, très bien. Et l'ouvrir. Ce sera très bien comme ça. Après, ce qu'on va faire, c'est que. On va. Il n'y a rien, il n'y a pas de truc de bouffe, ni rien. Ah, mais la longueur, c'est normal, c'est ça, je suis con. Ah mais non, il n'y a pas de parc en fait. Ah si. 6,50€, putain, c'est déjà méga cher. En vrai. Et là, il n'y a pas écrit la longueur non plus, du coup. Sur cela. Ouais. C'est un pi, t'es un pi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, il y en a un autre, non? C'est une attraction, ça, oui. Oui, c'est une attraction. 2€. Mettre à 3. Ok, nous avons donc 3 attractions et pas grand chose d'autre au final à part des petites décos, ce genre de trucs. Ok, bon, on va commencer par mettre des trucs ici déjà. Ou alors non, on va en mettre. De toute façon, c'est pas compliqué. J'ai combien hein? 12 000, j'ai commencé avec 12 000. On va commencer par mettre des attractions comme ça. Qui marche plutôt bien en général. Chute dans la mine, c'est ce que j'ai là. Ou pas. Hurlement dans la mine, ça c'est le. Il n'y a pas écrit le nom, sérieux? Hurlement dans la mine. Ah si, c'est le nom du truc. Bon bah j'ai chute dans la mine aussi, c'est pas mal. Que je vais mettre ici même. Hop, mais c'est la même. Né. Oui, on supprime une, hein. C'est la même. On s'en fout, on va pas être la même chose. On va mettre un roto tabord. On va faire un petit espace ici. Bon, il faut que je me réserve quand même pour faire un gros truc si j'ai besoin. Ou alors on exploite cet endroit d'abord. Je peux, hein. Je peux exploiter cet endroit d'abord, éventuellement, en mettant les trucs bien loin. Genre, comme ça. Hop. Histoire de faire une file d'attente, bien entendu. Des taureaux sauvages. Des taureaux sauvages. On va mettre ici. L'entrée et la sortie. Ah, fuck, c'est en hauteur. Ça va me casser les couilles, ça, je sens.
Un vortex TNT, c'est gros ça. On va pas le mettre là. On va pas le mettre là. Celui-là, on va le mettre. Celui-là, on va le mettre ici, tiens. Juste le tourner comme ça. Et on va le mettre ici. Hop. Ici, on va se faire un petit espace avec de la bouffe et tout. Ça va être cool. Ah, mais putain, j'en ai déjà un. Mais je suis trop con, sérieux. C'est une blague. Gros boulet. Gros boulet. C'est tout ce que j'ai comme attraction actuellement. Ok, bon bah écoute, pourquoi pas, on va juste rajouter peut-être un truc ici, si je peux. Oui, je peux là. Parfait ça. Parfait ça. On va faire ça comme ça. Est-ce que je peux rajouter un spectacle à forêt, ça m'a l'air un peu gros pour votre mini ici. Sachant que devant là, je peux faire tout un espace bouffe et tout. Ce qui serait bien. En soi. Alors je vais pas le mettre là, ce serait débile. Non, mais ça, je vais je vais le mettre là, hein, tout simplement. Histoire de faire un espace ici, quoi. Tout simplement, est-ce que j'ai autre chose à mettre ou pas? Ouais, je commence par les attractions, c'est mieux quand même. D'abord, on va faire un truc rentable, en fait, et après, on va se débrouiller pour faire quelque chose de... pour répondre aux attentes. Aux attentes du public. Hop. On relie tout. Comme ceci. Ah, et ça va être relou. Ça, les gens ne pourront pas rentrer dedans. Si, à part si je fais comme ça. Oh, nice. Nice. Oh, c'est brillant. Putain. Ok. Hop. Voilà, on relie tout ça, comme ça, très bien, ainsi que celui-là, bien entendu. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les entrées aussi éventuellement. Éventuellement. Hop. Une petite queue comme ceci, ça sera très bien. Pareil pour là. On va l'arrêter là. Comme ça, on va faire un espace qui va faire tout cet espace là. On va pouvoir mettre des stands un peu partout. Ce sera très bien. Est-ce que par hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un grill. Retourne-moi ça, s'il te plaît. Dans ce sens-là, si tu veux, c'est pareil. On va se faire un grill ici. On va se faire. Une limonade. Putain, j'ai rien. Oh là là, c'est terrible. On va se faire une limonade juste à côté, ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose. Chapeau de western qu'on va mettre ici. Hop, au plus grand des calmes, dans le plus grand des calmes, on va relier tout ça, voilà, très bien, juste falloir que je me mette des bancs, des trucs comme ça ici, je pense que ça peut être sympa, je pense qu'on va se mettre des chiottes ici aussi, ah tiens j'ai pas fait l'entrée de scène, donc j'y pense, hop, et hop, voilà, ça sera très bien comme ça. Si je pouvais peut-être descendre le terrain ici pour mettre un autre truc. Pour mettre les coiffes indiennes là. Coiffure indienne. Parce que là je peux pas le mettre là, on est d'accord. Hein. Non par contre je peux la mettre là, éventuellement. Je peux la mettre là, rajouter un truc de bouffe ici. Avec des bains. Hop. Voilà, très bien. Très bien tout ça et faire un chemin un peu plus gros comme ceci. Voilà. Ça va le faire comme ça. Ici je vais mettre des bancs aussi, tiens. Après il me fait une sortie ici, je veux pas de sortie ici moi.
Une blague. Oh non, me dis pas qu'il l'a pas relié. Les gens pourront pas rentrer là, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Fuck off. Fuck off. Du coup, alors ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. J'y vois rien du tout là. Il y a beaucoup trop de soleil dans cet endroit. Oh putain, merde. Ouais, mais non. Ah! Il y a trop de soleil! Mon dieu! Avance un peu. Ça va pas du tout là. J'y vois que chi. Tout est fermé pour l'instant, les gars. C'est bon. Prenez pas la tête. J'attends juste qu'il y ait moins de soleil histoire que j'y vois un tout petit peu, quoi. Parce que là, c'est la merde là. J'arrive pas à voir ce que je fais. S'il vous plaît! Je peux y voir ce que je fais éventuellement. Peut-être que si je descends la luminosité, ça marchera aussi. Ah, le soleil s'en va. Je veux voir. J'ai une nouvelle attraction, tiens. Parfait. Root beer. Ah, de la bière. Un stand de boisson. Voilà, parfait. C'est bon. Non ! Je me suis chié. Hein. Ah, je me suis chié. Je me suis chié. Quoi ? Non, mais non. Pas du tout. Je vais juste aller dans les options. Baisser un peu la luminosité de tout ça. Est-ce que maintenant j'y vois un peu, s'il vous plaît? Non, toujours pas, en fait, ça change rien. Ça change rien. Eh ben écoutez, je vais juste. Ça fait chier parce que. Ah! Cool. Si je fais ça. Non. Merde. Merde, 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 merde. Ok, alors normalement si je fais ça. Hop. Et que je fais ça. Non. Ah, ok. Je peux pas descendre plus bas, genre. Non, je peux pas. Ah, fuck me. Hey, supprime-moi ça, ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis monté. Après, peut-être que j'aurais pu juste pas monter, descendre. Descendre encore, et faire comme ça. Oui! Finally! Ouais, ça fait quand même un bon gros bout de chemin pour pas grand-chose, au final. Hein. Je sais pas si ça va marcher, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Du coup, bah, j'ai une nouvelle attraction en attendant. Hein. Donc j'y vois quand même un peu plus avec cette luminosité-là. Désolé si c'est un peu dégueulasse, mais... Mais bon, vous y ferez, hein, on va dire. Alors, on va faire... on va rajouter du coup le root beer, là. Hop, parfait, ça, excellent. J'aime beaucoup le concept. Qu'on va foutre ici. Où est-ce qu'on va le foutre? On peut le foutre ici, on pourrait le foutre ici aussi. Hein. Histoire d'attirer des gens. Je pense qu'on va le mettre ici. Ouais, ce sera bien ici. Très bien. On va en même temps augmenter les prix de tout ça. Hop, 2 euros. Synchroniser, évidemment. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme je faisais avant, de toute façon, ça ne change pas. Très bien. C'est bon, j'ai oui. Non, c'est bon, j'ai fait. Ah oui. Excellent. J'avais peur de ne pas avoir synchronisé. Ce serait dommage. Ah, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Lui, on va l'augmenter aussi. Hop là. Non, les gens, ils, ça va, ils payent. Quand tu mets 40 centimes de plus, ils payent 40 centimes de plus, ils s'en battent les couilles. Autant, enfin 20 centimes de plus plutôt. Autant en profiter. Voilà, voilà, on va maintenant augmenter le prix de nos attractions. C'est où? Ah, c'est là. Là, on peut augmenter. Ah, mais non, augmenter, j'ai dit. Hop, 2,60 centimes, très bien.
Ça c'est pareil. Hop, on fait un peu au pif, hein, de toute façon. Dans tous les cas, ça marche à peu près bien, donc bon, pas vraiment besoin de se prendre trop la tête de ce côté-là. C'est très bien. Là, c'est pareil, il faut que je fasse donc la route qui relie les deux. Ce qu'on va faire tout de suite. Hop, voilà. Très bien. Ce qui nous permet donc de fermer ça et de mettre de la boue par là, éventuellement. On va se faire un petit stand, on va se faire des stands par là. On va se faire des stands par là, alors quel stand, je ne sais pas. On va réfléchir à tout ça. Peut-être j'aurais peut-être dû le faire arriver de l'autre côté en fait, plutôt. Comme ça j'aurais pu faire un stand ici. Vas-y, on va faire ça. Hop, voilà, comme ça, ce sera très bien. Ce sera très bien. Maintenant on va mettre des petits stands de bouffe, bien évidemment. Et enfin, qu'on va mettre ici. Hop, deux boissons qu'on va mettre. Tac tac. Ici, ce sera très bien. Un autre truc de boisson qu'on va mettre ici. Ouais. Qu'on va mettre ici même. Pareil, des chapeaux de wood de cowboy. Cowboy. Hey, cowboy. Qu'on va mettre comme ça pour innover un peu. Comme ça pour innover un peu. On remarque qu'on peut le mettre là aussi. On va le mettre là en fait. Ça sera très bien. Et les chapeaux des Indiens qu'on va mettre pas loin non plus. C'est-à-dire qu'on va le mettre ici, je pense. Ce sera très bien. Voilà, voilà. Alors maintenant, faisons les routes qui relient tout ce qui n'est pas relié encore. Hop. Voilà. Et je me demande même si je vais pas me mettre des petites chiottes ici en fait. Non, pas ici, mais peut-être là. Ouais, là, ça va être bien. Là, ce sera bien. Des toilettes là. Hop. Je peux mettre des toilettes là. Je peux même mettre un distributeur ici, si je veux. Mais bon, on va pas faire ça pour l'instant. Sans oublier, bien entendu, les points infos. Qu'on va mettre ici. On va en mettre un. Ouais. Là. À l'entrée du parc. C'est parfait. C'est parfait. En augmentant, bien entendu, le prix. Si je peux, c'est où? Là. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4. Très bien, très bien. Et les toilettes? J'avais failli oublier les toilettes, Dylan. Qu'on va mettre à 40 centimes. Voilà. Parfait, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, excusez mon langage, c'est qu'on va mettre des bancs et des lampadaires. Comme la dernière fois, de toute façon, hein, ça marche, c'est toujours à peu près pareil. Il hein, ne faut pas trop se prendre la tête. On va mettre un là. Hop, des bancs ici pour que les gens ils soient tranquillous. Des bancs là pour que les gens ils puissent pisser et se tenir tranquille un peu. Un là. Ce sera très bien. On va foutre deux bancs ici. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et j'en mettrais bien ici aussi, là. Genre... Mais en fait, là, non, pas vraiment comme ça, mais plus... Parce que là, si je remplis, je mets des bancs, si vous voulez... Enfin, je pourrais pas mettre deux bancs, en fait, si je remplis ça. C'est pour ça que je dis ça. Si je pourrais en mettre un derrière, quoi. Et ce sera tout. Donc ça sert pas à grand chose, hein. on va pas faire ça. On va juste rajouter peut-être un peu de route là de ce côté. Hop, voilà, histoire de donner un esprit un petit peu plus d'espace, n'est-ce pas? En mettant un banc là et un banc là, voilà, ce sera très bien comme ça en fait. Ce sera très bien comme ça. Et maintenant on va mettre des petits lampadaires. Même s'il fait pas nuit très longtemps dans ce mode. Dans ce jeu. Hop, un lampadaire ici, un lampadaire ici. Très bien, on va mettre un là. Ok. On va mettre un là. Ça devrait aller. Et on va peut-être en mettre
un là et un ici, voilà, pour montrer que les gens peuvent aller jusque là-bas. Maintenant on va s'occuper de cet endroit et finir, et après on pourra lancer tout simplement et gagner des thunes. Parce que ce qu'on veut, hein, c'est ça quand même, au final. Pourquoi on fait un parc d'attraction? Si on voulait s'amuser, on irait dans un parc d'attraction. Mais là non. Ce qu'on veut, c'est gagner des thunes, tout simplement. D'ailleurs, je vais rajouter une route ici. Voilà. Pour aller jusqu'au banc. Hop, d'ailleurs on va rajouter un ici. Voilà. Et on va mettre un lampadaire ici. Très bien. On va rajouter aussi un banc ici et ici. Voilà. Ça doit garder une certaine symétrie avec l'autre. Que les gens ne soient pas trop face à face. Ça perturbe dans la vie, d'être face à face. On va aussi en mettre un là et un là. Voilà. Un banc ici et un lampadaire ici, ce sera très bien. Je vais en mettre un là, mais je sais pas si les gens ils vont être un peu hauts quoi sur leur banc. Enfin bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il manquerait pas de lampadaire? Si, là, on va en mettre un là aussi. Tant qu'à faire. Un ici pour montrer qu'il y a les entrées quand même. Hop. Voilà, très bien. Pour montrer qu'il y a un chemin à ce banc. Un là et un que j'ai déjà mis là. Ok, bah c'est parfait, ça m'a l'air bien tout ça. Donc on va voir comment tout ça fonctionne. Et si ça marche bien, bah du coup on n'aura plus qu'à s'occuper de faire ce que le bonhomme il nous demande. Hop, tout ouvrir. Et tout ouvrir. Et voilà, excellent. Et c'est parti. C'est parti. Ah, il y a ça aussi qu'il faut que j'ouvre. Hop. Ah, très bien. Oh putain, j'ai failli oublier de mettre des employés, dis donc. Truc de ouf. Truc de ouf. Ah non. Tiens, voilà. Toi tu vas te mettre là. Je vais en mettre 3 direct. Ici. Ça a l'air de me casser les couilles. Voilà. Il est déjà pas content, il vient d'être embauché. T'sais. Alors le mec, sans souci aucun. C'est où déjà? Hé, hey, madame. Information, ouais, ça. Hop, payer un peu, mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça devrait le faire, hein, comme ça. Ça devrait être parfait. Putain, mais le lampadaire, il marche pas. Je vais changer mon cycle jour-nuit, là, parce qu'il y a un gros problème. Si, seigneur. Yep. Yep. Allez, encore un peu. C'est important d'avoir des employés qui fonctionnent bien. Sinon, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on dit à la merde? Pas aujourd'hui. Wow! Putain, ça marche, hein? Je pourrais même rajouter d'autres attractions ici. Ah, une nouvelle attraction, bah tiens, ça tombe bien. Aucun ouvrier peut atteindre dynamite danger. Comment ça, aucun ouvrier peut l'atteindre? Il a juste à passer par là. Gros débile. On va mettre deux de plus ici. Ouais. Mais allez, c'est pas ça que je veux faire, c'est en prendre un. Voilà. Ah, mais c'est normal, j'ai pas engagé de mécano. Je vais en engager trois directs, ça sera fait. Hop. Voilà, très bien. Bon, maintenant, on fait ça. Voilà. C'est que ça coûte des sous hein, d'engager des gens, d'avoir les ouvriers. Faut pas croire. Hein. C'est pas gratuit tout ça. Hop. Ouais, mais plus je les augmente et plus ils vont vite et c'est beaucoup mieux quoi. C'est vraiment beaucoup beaucoup mieux. Aucun ouvrier ne peut atteindre. J'aurais pas pu dire directement genre aucun ouvrier avait été engagé pour réparer les attractions. Pour me faire galérer. Imagine mon parc serait super grand et je pensais que j'en avais, tu vois. Et bien, j'aurais été bien baisé. Parce que personne ne l'aurait dit. Imagine je suis débile. Et voilà, ça marche pas. Bon, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on a une nouvelle attraction qu'on va mettre des suites. Et qui est pas là d'ailleurs. C'est quoi, c'est là? Non. Là, j'ai mis les deux. Hein. Spectacle Far West, je l'ai mis. Ah non, mais je l'ai mis là. C'est ça, ouais. Pourquoi
Pourquoi il me dit que j'ai une nouvelle attraction alors j'en ai pas de nouvelles? C'est l'île. Oh, dynamite danger. Nouvelle attraction, route beer. Rincé. C'est quoi rincé? Ah mais d'accord, c'est dans les... Oui, oui, forcément. Forcément. Ça paraît logique. Allez hop, on est parti pour faire du profit. Normalement ça devrait plutôt bien marcher. Hein. Tiens d'ailleurs je vais changer ce truc de cycle jour-nuit là parce que ça me perturbe. Insane. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bon. Réparé. Haha. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Importer le modèle. Ah mais non, c'est ça que je veux. Voilà, c'est là. Est-ce que je peux éventuellement... Est-ce que ce serait pas là? Transition jour-nuit, faire défiler. Faire fusionner. On va essayer ça, on verra bien. On verra bien. Bon, mais ça marche plutôt bien. Plus, plus, plus. Moi j'aime bien. Windsurfer, ça je peux pas le faire ici, gros. Pas être possible. Wow! What the fuck was that? C'est une blague? Je suis en train de perdre des sous ou en gagner là? Je me rends pas bien compte. On verra la fin du mois. Ah, je suis en train de gagner. C'est bon. Ticket attraction, ouais. Ce qui me rapporte le plus. Vente magasin. Normalement, ça devrait augmenter un peu quand même. Si je paye plus. On verra à la fin du mois. On verra à la fin du mois. Faire fusionner. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait? Le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il fait nuit très longtemps. Alors c'est moi qui me mets... T'as vu cette luminosité de ouf là qu'il y a? Enfin, cette brillance, je sais pas comment on appelle ça. C'est nimble. Surtout que, waouh! Je veux dire... Quel est le fuck? Bon, en tout cas, ça marche pas mal, hein, au final. Ce petit parc, là. Il y a des gens un peu partout, ça arrête pas d'arriver. C'est bien, j'ai l'impression de faire du profit. Oui, clairement, je fais du profit. Carrément. Bon, bah, très bien. Prochaine étape, faire un... Suivre la mission. La mission du jour. Très bien. Alors, pour la mission du jour, vu que ça fonctionne, là... Après, j'ai que 5000, hein, c'est pas beaucoup, mais bon. On va laisser avancer, de toute façon. Pour la mission du jour, ce que je dois faire, c'est... Excitation minimum 3 de montagne russe. Donc, il faut que je fasse une autre montagne russe avec une excitation minimum de 3 et une longueur minimum de 300. Est-ce que je peux faire ça, à la mine? Oui, sûrement. J'imagine, montagne russe. Est-ce que... Congoutoise. C'est méga cher, ça. Valeur d'excitation. Sachant qu'en plus... comment dire? J'aurais celui-là après à faire. Remboursement de l'emprunt. Ok, ça c'est bon. Excitation minimum 4. Longueur minimum 300. De toute façon, je dois en faire 2, donc peu importe. Ça risque d'aller assez vite. Excitation minimum 3. Là, c'est bon. Longueur minimum, même 5 en fait. Donc, ça c'est très bien, même pour l'autre. Et longueur minimum 300. Là, il fait plus de 300 celui-là. Hein. Hauteur max. Allez, où la longueur? Ouais, longueur du tour 1000 mètres. Ouais, ça va. Ça va. Ok, alors attends. Est-ce que j'en ai d'autres à ma disposition, éventuellement? Vol du Phénix. Excitation de 3, ok, très bien. 400 mètres, 5, ça me coûte 7000. Putain, c'est cher, c'est très bien. 11000, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ah merde, ça va me coûter méga cher, ça, je le sens. 9000, 10000, il sait pas, 10000, 20000, oui, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les montagnes russes ECG. 6000, c'est pas mal ça, valeur excitation 3, longueur 330 mètres, bah, c'est parfait ça. Combien ça me coûte 6000? Bah, je les ai en plus, excellent.
Excellent. Pas vraiment envie de me prendre la tête, ça tombe bien. Ça tombe bien, alors est-ce que je le fous là en plein milieu, genre en mode comme ça, puis après je ferai passer les gens au milieu. Ça me paraît bien. Ouais, le problème c'est que si je me trompe, c'est un peu la merde. Ah, attends, il est dans le mauvais sens là, le bonhomme. Ah, je peux le faire aller jusque là avec l'entrée et la sortie ici. Ouais, mais c'est pas très bien placé quand même ça. Trop bizarre de le mettre là. Bon allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pourrais me faire un gros parc ici en mode... si je rencontre d'autres attractions, enfin si j'en ai d'autres qui apparaissent, je pourrais me faire un gros espace ici, comme ça rallier les gens jusque là, ce sera très bien. Ce sera très bien. Pour l'instant, on va juste relier. Hop. Voilà. Ça suffira pour la queue. Pareil pour là. Ah, il m'embête quand il fait ça. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre coupé. What the fuck? Non, c'est fait exprès. Trop bizarre. Trop bizarre. Allez, oh, Sésame, ouvre-toi. Ouais, bravo. Hop, voilà. Bon, y a des gens qui vont y aller, forcément. Hein. Forcément, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui m'importe. Faut que je rembourse l'emprunt, maintenant. Très bien. Alors, l'emprunt... J'ai que 1000 ? Bah c'est bon, c'est remboursé. Nickel. Nickel. J'ai des beignets. C'est génial. Alors maintenant, mon but va être de faire une montagne russe d'excitation minimum 4 et de longueur minimum de 370 mètres. Est-ce que je peux faire un méga emprunt ou pas là, tant qu'à faire? Comme ça je finis ça fast et je passe au suivant, hein. Même pas une demi-heure j'ai fini le truc quoi. Ce serait stylé ça. Ah c'est tout ce que je peux faire, 5000. Ouais c'est pas assez. Du coup on finira cette carrière, la ruée vers l'or. Juste la prochaine fois, même s'il me manque une seule attraction à faire au final. J'ai pas assez de thunes, donc dans tous les cas je vais être obligé d'attendre. En fait le plus intéressant, le plus important surtout, c'est tout ce que j'ai fait au début là. C'est-à-dire faire en sorte de mettre les commerces où il faut, les attractions à peu près comme il faut pour pouvoir faire des trucs d'entrée assez longues, de mettre des bandes, mettre des... Voilà, pour créer des points d'intérêt quoi, pour les gens, tout simplement. Ouais, je m'arrête là pour l'instant et je reviens avec vous juste après.